Ce genre de message, mais ça compte pas, ça compte le jour où on se croise et que tu assumes tes propos. Et là, ben, je te montrerai c'est quoi la différence entre Internet et la réalité. Être placard ! Et comment va YouTube, frérot, Internet, la Justice League et les autres? J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le best-of de Garde à vous, car je sais que tu aimes ça. Et tu me l'as également demandé dans l'espace commentaire de faire une partie 2. Ben voilà, c'est fait. Mais avant ça, et bien avant de s'enjailler sur la compilation, et ben veille bien à t'abonner et active la cloche pour ne rien rater des futures notifications. Et n'oublie pas la violence, on n'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre. Défendre soi, bien défendre les autres, jamais gratuitement, première règle de la Justice League. Tu as également 10% de réduction grâce aux 16 sponsors Prozis. Tu prends ce que tu veux, le code promo de Joue et tout le monde est content, je vais le faire parce que ça fait longtemps. Let's go, la petite voix, Super Mario, on y va. Et bien sûr, ben on se retrouve en fait vidéo. Par rapport aux cheveux, tu commences à me gonfler. Oui. Est-ce que je suis coiffeur, moi? Non. Non. Alors, tu poseras la question au coiffeur. Quand tu seras assis sur le fauteuil, tu verras bien. Toute la journée, toute la matinée, c'est plein. Il voulait pas qu'on lui coupe les cheveux. Oh, à un moment donné, stop, y'en a marre. Tes cheveux sont sur les yeux. Oh. Prochaine recrue. Est-ce que je vous aide à dédentrer? D'accord. Et boutonne ta braguette. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Avec ton zizi? Mmh. Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Oh. Non, je plaisante, pardon. L'humilité, regardez-moi, l'humilité, vous allez l'apprendre. Mais alors, vous allez voir, comme ça rentre bien. Habille-toi. Tes camarades, tu vas leur montrer comment tu es habillé, ils vont s'habiller pareil. T'as oublié quelques boutons, je crois. T'as oublié un bouton, là aussi. T'as mieux les fermetures éclair, toi, non? Moi, ça me fait pas forcément rien. Je trouve ça plutôt pathétique. À l'âge que vous avez, mettre trois plombs pour mettre une chemise. La veille, ils ont aperçu l'un d'entre eux au téléphone. Ils savent donc que l'un d'eux a réussi à cacher son portable. Mais qui? Ils sont bien déterminés à trouver le fautif, quitte à retourner les dortoirs. Et là, je vois le chef, il va dans la chambre, énervé. Je me dis, mais malheur, je suis dans la merde. Là. S'il vous plaît, qu'il trouve pas mon téléphone. Malgré une fouille musclée, pas de téléphone en vue. 1m71? Oui. 71? Elle a pesé. Je fais 1m71? Elle a pesé. C'est pas vrai. Passe à moi, c'est à dire. Oui. Passe à moi. Ah, pardon. 68 kilos. D'accord. Je voudrais savoir au niveau de la taille. Tu fais vraiment 1m71? Et là, je vois le chef, il sort avec Thomas. Ah, je fais chez Campri, hein. Elle est toujours ici. Allez, petit poulet. Les chefs sont déçus du comportement de la recrue Gozlam. Ils tiennent à avoir une conversation avec lui. Mais bon, je sais pourquoi. Allons, on y va. Elle est drôle, putain. Ça va marcher là-bas. Hey. J'avais quelques questions par rapport aussi à la coupe des cheveux. Ça me regarde pas. D'accord. Moi, je suis médecin. Ah non, parce qu'on m'a dit que par rapport à la visite médicale, on pouvait dire si jamais ça nous plaisait pas ou autre. Donc, du coup, moi, je me suis dit que, vu qu'on a annoncé que certainement mes cheveux allaient se couper, je n'étais pas d'accord avec cela et j'aimerais, si possible, me désister si cela est envisageable. On se tait. Je suis jamais une balance, patron. Hé hey, personne a dit je veux pas entendre ce mot-là. C'est clair? C'est travailler dans l'esprit pour la collectivité, c'est ça qui est important, pour la cohésion. Les autres recrues vont-elles comprendre que Thomas Baumgarten a agi pour l'intérêt du groupe en leur évitant d'être toutes punies? Tout le monde qui est rassemblé là? Il y a une balance dans le groupe, faut m'écouter. C'est moi, ok, ça va, vous savez maintenant c'est qui? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je suis obligé de couper mes cheveux ou alors je peux les garder intacts et faire comme cela. En termes d'hygiène et de propreté, un militaire, ça a les cheveux? Quoi? Bien. Vous avez la réponse.
Je suis un petit peu dépité par rapport à ce que vous me venez de m'annoncer. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? J'y tiens beaucoup, en fait. Au final, ne me convoyez pas. Écoutez, arrêtez votre cirque, là. Mmh. Arrêtez votre cirque, à quoi ça ressemble plus à rien, là. J'ai compris le message. Bah, vous pouvez disposer. D'accord. Mmh. Merci, capitaine. Bonne journée. Non, là, c'est les WC. Ah, pardon, excusez-moi. Il a 20 ans, il sait pas s'habiller. Je sais pas si le chef lui faisait peur, mais il a pas réussi à s'habiller. Vas-y, ferme les boutons, mets la chemise dans le pantalon, la ceinture. Que j'ai un peu de gueule, quoi. Ferme les boutons. Kevin, lui, il est déconnecté, le type. Il s'habille, il a des boutons, le bouton là, il le max de là. Ça brague avec le bouton du bas, il le max le bouton du haut. Voilà. Vas-y, poussez. Attends. Poussez. Vas-y. Poussez. Tourne. Pousse. Oh, descends là, dépêche-toi. Oh, sa mère. T'as vu comment il a couru, lui. Pourquoi tu cours comme ça, toi? Moi? Il est sorti avec. Qui est un portable? Vous allez ramasser comme des chiens. Qui est un portable? Je t'ai posé une question. Je suis plein de balance. C'est pas question d'être une balance. C'est question que tu vas faire ramasser tes petits camarades. Tu pourrais leur éviter des gros problèmes. Qui est un portable? Parce qu'on va le trouver. Si vous le trouvez, pas de week-end, vous allez ramasser comme des chiens. C'est clair? Donc tu vas éviter ça des petits camarades. Qui c'est qui est un portable? Axel. Ok. Oh, j'ai deux triangles. Putain! Oh la vache! Il t'a laissé sur les côtés, gros. T'es un transformeur de type. De quoi, gros? Oh, il t'a fait n'importe quoi. Oh là, il t'a fait des trous. Wow, derrière la tête, tu lui as fait des trous, bâtard. Oh, gros. Non, mais je le sens, là. Je te promets que t'as des trous. Et là, les triangles, quoi. Oui ou non? Non, patron. La personne qui a parlé, c'est pas la peine de la brimer. D'accord? Elle est fragile, donc. Elle a rien faire là, cette fragile. Elle a pas. Hé! Ça aurait été l'ennemi, il m'aurait balancé, donc. Hey. C'est pas un frère pour moi. Je te considère plus comme un frère. Hey. C'est fait. Allez, dégagez en petite foulée. Ah, les gars, c'est les mêmes postes qu'hier, le même binôme. Bah, c'est parti. C'est ce qu'on appelle main dans la merde. J'ai toujours d'ailleurs les meilleures tâches. Les chiottes. Putain, sérieux. Putain, c'est dégueulasse. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que tu l'as bien appréciée. Si c'est pas fait, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner pour le référencement. C'est très important. D'ailleurs, je te remercie pour ta présence à chaque vidéo. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Fais du sport régulièrement. N'oublie pas également d'avoir une bonne hygiène de vie au sens propre, comme au figuré. C'est très important. Tu peux aussi t'abonner à ma seconde chaîne YouTube. Et quant à moi, frérot, bah écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi. I've been flying from town to town.